Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le tout premier épisode de mon Let's Play sur le jeu Towns. Alors oui, effectivement, j'avais fait mon guide pour bien débuter à Towns pour lancer ma chaîne, et beaucoup de gens m'ont demandé d'en faire un Let's Play à un moment. Et donc du coup, je vais le faire, c'est-à-dire que là, je vais faire un Let's Play, c'est parti. Donc, on va choisir une nouvelle map, on va prendre normal, on va pas se casser les pieds. On va lui donner comme nom de sauvegarde... Bon, vous savez quoi, on va pas se faire chier. Hein. Sérieux, on peut pas mettre... Bon, bah, let's play, alors. C'est parti. On va partir avec ça. Allez. Oups, excusez-moi, il y a mon portable. Donc, pause. Alors, je vous invite, bien sûr, à regarder le guide. Hein. Il n'a pas beaucoup changé depuis le temps, vu que le jeu s'est arrêté d'être développé. Voilà. Bon, c'est un peu dommage pour ce jeu. Mais bon, c'est pas grave. Alors, il y a de la jungle ici. Ok, il y a quelques grenouilles. Sauf qu'on n'est pas bien loin, je crois. Ouais, c'est ça, on n'est pas bien loin. Est-ce qu'il y a de la jungle ailleurs? Pas l'air d'avoir beaucoup de jungle, c'est cool ça. Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Ouais, c'est ça, il n'y a qu'un tout petit bout de jungle. Il est bon, il est un peu trop près, moi je trouve. Il va falloir qu'on se cale un peu plus loin. Est-ce qu'il y a moyen de passer? En plus, il faudra un endroit plat, si possible. Je sais qu'il y a un endroit plat ici. Le truc, c'est perdre toutes mes unités contre des grenouilles. Ça me casserait les pieds au tout début de la partie. On va faire avec, hein. Est-ce qu'on peut passer par là? Non, on peut pas passer. Ah, quoique si, je pense qu'on peut passer par ici. Je crois qu'il y a moyen, mais il faut de la nourriture aussi. Il faut trouver le bon emplacement, là, en fait. De la place, de la nourriture... Ok, la nourriture est ici. Pas trop faire autrement. Là, il y a la jungle, mais c'est là qu'il y a la place, quoi. Ah, ça m'embête. Je pense qu'on va relancer. Just kit. New game. Allez, hop, on va lui donner Let's Play 2. Hein. Allez, hop, Let's Play 2. Oh, bah zut. Je vais leur donner Let's Play. C'est pas grave. Alors, pause. Ça a l'air d'être un petit peu mieux. Déjà, il n'y a pas trop de flotte. Bon, là, la jungle est ici. Il n'y en a pas ailleurs. Non, ça va. Donc la jungle est ici. Par contre, on est encore une fois, je crois, juste à côté. Ils sont où, mais... Où sont mes villageois? Ah ouais, c'est ça, on est vraiment à côté, quoi. Merde. Vite qu'on file d'ici. Alors le mieux. Un endroit avec de la bouffe. Là ici, en plus c'est assez plat. Il y a un petit peu de bouffe. Bon, c'est pas gêne, mais... Là il y a de quoi faire un petit peu aussi. Alors, vous savez quoi? Hop, ça va être tout harvest ici. Voilà. Sauf ça. Ça, on va aller destroy, parce que les yellow flowers, on s'en fout un peu. Voilà, nickel. Donc, ils vont aller chercher ça. On va prendre aussi ce qui est ici, là. Hop, tiens, d'ailleurs, il y a un petit peu de blé, c'est nickel. T'énerve pas, le coq, t'énerve pas. On va d'ailleurs leur demander de chop... D'ailleurs, le couper un peu tout ça. D'ailleurs, je vais remove la plante carnivore. Ça va être tranquille. Ah, ils sont tous là. Ils devraient pas se faire buter ici. On est suffisamment loin. On est à l'autre bout de la map. Ça devrait aller. Donc là, ils récoltent. On va faire des stockpiles de... c'est de la raw food, je sais plus. Bah, je crois que c'est de la raw food. On va virer ça. Pas faire un gros stockpile, c'est assez provisoire. Manage stockpile, ouais, non, c'est pas de la raw food, c'est bien la prepared food. Donc j'invite vraiment à regarder le guide, hein, si vous voulez comprendre et que vous connaissez pas. Fruits, ouais, c'est bien ça. Donc ils mettront les fruits ici. Ensuite, ce qu'on va faire, on va mettre
un stockpile de raw materials. On va virer les plantes. Allez hop, on vire les plantouilles. Raw materials. Assez gros. Voilà. Oula, il y a un combat. Ouais, ça va, ils sont pleins sur le Tree Keeper. Donc ils ont dû bien se démerder. Encore un combat? Non. C'est juste que la notification n'était pas encore partie. Donc là, on va commencer par planter. Hein? C'est important. Peut-être pas aussi grand au tout début. Ouais, c'est ce qu'elle est bien là. Voilà, on va planter par... on va commencer par planter ça. Ensuite, on fera une autre plantation. Je sais pas trop où. Je sais pas trop où je vais la mettre, cette plantation. Attendez, on va arrêter de couper les blocs. Je vais la mettre... non, pas là. Ça m'embête un peu. Attendez, là, on va pouvoir augmenter jusque là, par là, jusque sur deux cases. Ouais, d'accord. Je sais pas trop où je vais mettre... En fait, je cherche un endroit pour mettre du blé. Je pense que ça va être ici, hein. Sauf qu'il ne le faut pas très gros. Pour l'instant. Hop, on va prendre ça. De ce côté-là, donc, on va planter. On va planter les pommiers. On va pas en mettre beaucoup pour l'instant. Parce que sinon, j'aurai jamais assez pour survivre. Ils vont tous crever de faim. Voilà. Donc là, on est bon. On va récupérer un peu de pierre. Non, hop, il faut que je monte d'un cran. Ah bah je peux pas les récupérer. Ah oui, c'est vrai, il y avait des problèmes de hauteur. Voilà, je voulais miner ça d'abord. Alors toi tu dors dans le vide, c'est cool. Tu m'éclates vraiment. Faudrait que j'aille chercher un petit peu de bouffe encore là, parce que sinon ça va pas le faire. Hop. Récoltez-moi un petit peu de nourriture. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits avec de la nourriture? Si, il y a là. Nickel. Bon, par contre, les plantes carnivores. Cassez-vous. Le wild bambou. Cassez-vous. Voilà. Donc après vous revenez vite parce que là-bas vous approchez vachement des grenouilles là, qui sont très casse-pieds. Il reste de la nourriture, ouais, il reste un peu de nourriture. Donc on va commencer par faire les premières zones. Une charpenterie indispensable, la charpenterie. On va la faire par ici. Je pense que ça devrait suffire. On détruit ça. Alors la charpenterie, qu'est-ce qu'il faut mettre déjà? C'est dans Utilities Carpenter's Bench. On va en faire deux pour commencer. Allez, trois. Ensuite, il faudra que je fasse les groupes de travail. Mais pour l'instant, il n'y en a pas assez. Je pense que les citoyens, on va tous les mettre en même temps. Ouais, d'accord, ça avance. Je vais peut-être accélérer un petit peu le temps. Voilà. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, il n'y a pas d'ordre. C'est un peu bizarre. Ah si, il y avait quelque chose. Le coq qui s'énerve. On va replanter un petit peu. Je crois qu'il nous en reste un peu. C'est pas sûr. Bah, du coup, je sais ce qu'on va faire. On va demander dans les ordres, on va demander de la récolte automatique de blé, si on en a. J'en veux toujours 10. Pareil pour les pommes, j'en veux toujours 10. Et pareil pour les poires, j'en veux toujours 10. Pour ça, il faudrait que ça pousse. Et ça pousse bien en plus. On va faire la même chose avec les poires, là on va les rajouter, et les pommes. Hop, voilà.
Donc, la carpenterie, c'est fait. Nickel, donc on peut faire la maçonnerie. Donc là, un mur, une route, un mur, la maçonnerie. J'essaie de faire la même taille. C'est combien? C'est 5. Ouais, c'est cette taille-là. J'essaie de faire à peu près la même taille. Ouais, c'est nickel, là, ils sont en train de faire la... Ils sont en train de s'en occuper. Alors... Le wood detailer, c'est dans la charpenterie. Attends, faudrait que je le fasse. Donc j'ai un peu de, pierre. Hop, hop. Il faudrait que je récupère un peu de pierre. Vous avez déjà pris la pierre? Tiens. Non, mais non, du coup là ça va. On va faire ça à la main parce que il n'y a pas l'air de vouloir prendre le bon étage. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. Là il y en a suffisamment. Bon là ils dorment par terre, c'est pas génial, mais bon. Pour ce qui est des habitations, on fera ça un peu plus tard. Ouais. Ça va bien. Donc ensuite, il y aura le Manson's Bench. Voilà. À faire. Qui va me coûter un peu de stone. Bon, non, allez. Ça devrait aller. Pour l'instant, ça s'avance. Alors elle dort carrément sur le wood detailer. Super forte. Elles sont super fortes, c'est pas un problème. Ensuite, bah, la bakery. La boulangerie. On va faire pareil, hein. Mur, route, mur, bâtiment. Voilà. Donc on va virer le mushroom bush. Il prend un peu de place pour rien. Alors, j'ai dit pause. Non, j'appuyais pas sur la bonne touche. J'appuyais pas sur la bonne touche. Baker's table. Eh merde. Non, c'est ça, voilà. Où est le Baker's Table? Voilà. Donc là, on fait... Oh, d'accord, je vais pas y arriver. Hein. Là, je fais la boulangerie. On va en avoir besoin, parce que ça fait du bon pain, et le pain, ça restaure pas mal de nourriture. Sur leur jauge de nourriture, parce que là, ils sont à zéro. Hein. Là, pour le coup, ils dorment pas, ils font rien, c'est... assez infernal. Dining room, faudrait que je la fasse. La forge. La forge, faudrait que je fasse. Attendez, quoique. Est-ce que je peux pas faire les équipements en bois d'abord? Ah bah oui, je suis bête. J'ai complètement oublié de faire un truc. Qui est pourtant assez indispensable. On va le mettre par ici. Toc, toc. On va mettre 5. On va mettre 5. Ici, on va couper le bois. Voilà. On va en mettre 5, il faudra qu'il s'en occupe. Bon, on s'occupe d'abord de ça. Là, je sais ce qu'on va faire. On va donner les ordres pour planter de la... Pour pouvoir planter du blé automatiquement dès qu'on en a. Ça ira très bien. Allez, dépêchez-vous, j'accélère le temps encore une fois. Voilà. Il me fait peur le cochon là. Tu redescends d'un cran seulement. Voilà. Donc là, une fois qu'on est là, il y a quoi comme arbre principalement ici? Des arbres comme ça, des pine trees. Ok, on va faire notre production automatique de pine tree parce que sinon je risque de tomber sur des tree keepers à tout bout de champ et j'ai pas envie de perdre des unités connement comme ça. Ça reste quand même très très bête. Voilà. Ok. Ok, donc là ça c'est bon. Donc on a notre production de bois qui va être lancée. Pour ce qui est de la pierre, bon, on va pouvoir récupérer la pierre qui est ici. Voilà. Au niveau d'ici, on va pouvoir augmenter un petit peu
la taille. Je vais demander à ce qu'on récupère un petit peu la place qui est ici. Voilà, nickel, ça c'est bien. Donc là ils mettent les bûches, c'est très tranquille. Ah oui, je sais ce qu'il fallait que je fasse. Militaries, armor. Je voudrais un wood chest. On est combien? 11. J'en veux 11. Ça va me coûter énormément en bois. Et il faut bien ça. Voilà. Et pareil au niveau des armes. Je veux des long swords. Voilà, 4, c'est bon, ça fait bon. Voilà, du coup, ça va leur prendre un peu de temps, surtout s'il leur faut beaucoup de bois comme ça. Enfin, ça devrait aller. Ils doivent aller chercher loin quand même, les... Qui se méfient, hein. Les bûches. On va peut-être éviter de leur en demander trop pour l'instant. Voilà. Ça va très bien, parce que sinon, ils vont aller en chercher à tout bout. À tout bout de champ, et il risque de se faire tuer. Ok, pour l'instant ça va. Il faut vite qu'il me fasse ses équipements et que je sois tranquille. Donc là ici on va mettre notre zone de production. Là je vais essayer de déblayer le terrain pour faire un peu de place pour des bâtiments d'habitation. Et je pense que comme ça on sera bon. On sera bon. Bon par contre là, les blocs de... Les blocs de pierre en l'air, là, c'est un peu bizarre. Je le fais à la main. C'est déjà ça de fait. Alors là, j'ai pas mal de stone, c'est bien. Alors là, ce qu'il faudrait, c'est que vous me fassiez mes équipements le plus vite possible. C'est quoi l'ordre des priorités? Item construction, c'est après tiling and chopping quand même. Bon, de toute façon c'est bientôt fini, ça devrait aller. Hop, si on accélère un peu le temps. Voilà, donc là ils sont en train de s'en occuper, ça y est. J'ai les auto-équiperais. Allez, c'est parti. Ah bah tiens, j'ai complètement oublié de leur demander un truc. Il s'agit de... non, c'était bien là-dedans. La récolte automatique de... C'est quoi? C'est des... Planted Pine Tree. J'en veux toujours 15. Toujours 15 de bois. Allez, c'est parti. Comme ça, vous pourrez me faire des équipements automatiquement. Ça ira très bien. Voilà. Tout ça, c'est nickel. On est à peine au jour numéro 4 et on est déjà bien bien équipé, moi je trouve. Là je commence à avoir l'habitude avec plein de parties. Là ça va très bien. Donc on va quand même planter un petit peu encore de apple et de... Et... Voilà, on voit rien. Ça m'embête un peu de rien voir. Voilà, c'est bon. Oh, il va me casser les pieds ce coq, je sens, mais royal. Alors là, est-ce que vous avez fait tous mes équipements? Ça c'est la question. Je pense pas, je crois qu'il en reste encore. Ouais, vous en avez fait déjà pas mal, hein. Comme ça, s'il y a le moins de problèmes, vous serez normalement équipé. Et vous savez quoi? Vous allez en profiter pour me chop tout ça. Bon, par contre, ça va être un peu dangereux, je voudrais que vous équipiez d'abord. Auto-équipe, 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 auto-équipe. Allez, c'est parti. Voilà, donc il y en a qui s'équipent déjà bien correctement. Ouais, ça y est, un tree keeper. Ouais, merde, j'en ai perdu un. Bon. Difficile de faire une partie sans perdre un seul villageois au tout début, mais ça m'embête quand même, parce que là, pour remonter, ça va être ça va être plutôt chiant. On va essayer, hein.
C'est pas trop mal parti pour l'instant. Je pensais perdre beaucoup plus d'unités que ça, mais... Ah, ça fait 20 minutes. Je vais rester un petit peu, parce que c'est quand même le premier épisode. Histoire de rester, hein. Voilà. Quoique non, les Pine Tree Bush, j'aurais dû les garder. Où sont les Pine Tree? Voilà. Nickel, bon, bah, le prochain épisode, je pense qu'on peut s'atteler à la... Oh bah tiens, ici c'est fini au niveau de... du blé. C'est fini, on va augmenter. On va passer à 20. Et donc avec ça, on va pouvoir faire des moulins. Ils sont où les moulins? Ils sont là. Stone, 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 wood. On va faire plein. On va faire plein, on va en faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pour faire plein, plein, plein de... de farine. On va en demander un stock minimum de... de 15, toujours. Ah, nickel. Et ensuite, on fera... demande minimum, ben, je vais le faire tout de suite. Demande minimum de pain, c'est où? Non, c'était dans food. C'était dans baking? Ouais, c'est ça. J'ai toujours 10 pains. Histoire d'être tranquille. Oula, pardon, je me replace un peu sur la chaise. Voilà, donc avec ça, je pense qu'on est plutôt pas mal pour l'instant. En tout cas, j'espère que cette initiative de Let's Play vous plaira, parce qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Moi, je suis très content de refaire une dernière, enfin, un dernier truc sur Towns, parce qu'honnêtement, vu qu'il n'y aura plus du tout de mise à jour, à moins qu'une boîte reprenne le jeu, ce qui est possible. Comme il n'y aura plus du tout de mise à jour, je pense que ça va être la dernière fois que j'y jouerai. Et je trouve ça cool de pouvoir partager ces derniers temps de jeu avec vous. Ok, en tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo. Et puis à la prochaine, salut à tous !